Salut les potes, j'espère que vous portez à merveille. Ce jour, mardi 21, il sera à jamais gravé dans le cœur des amoureux de football et surtout dans le cœur des gros fans du Real de Madrid. Parce que Toni Kroos, milieu de terrain allemand, vient à peine d'annoncer qu'il quittera le Real de Madrid à la fin de cette saison et qu'il devra mettre fin complètement à sa carrière de footballeur juste après l'Euro. L'Euro qui va se dérouler de mi-juin à mi-juillet. Chez lui-même en Allemagne, d'époque. C'est juste incroyable, les amis, parce que Kroos, il a juste 34 ans. Et puis, il a encore tout l'énergie, la technique. Il est toujours explosif. Il a tout, en fait, pour rester au top niveau. On se demande tous, mais pourquoi cette décision, en fait? C'est juste, j'arrive vraiment pas à y croire. Toni, avec le Real Madrid, il a tout gagné. Pendant sa carrière, il a gagné énormément, que ce soit avec le Real, avec le Bayern aussi, et avec la Mannschaft, la sélection allemande, il a gagné énormément. Alors faisons un petit détour sur le parcours de Toni Kroos. Il arrive au Bayern en 2006. Il signe son premier contrat professionnel en 2007 avec le Bayern Munich. Il va rester pendant 2 ans, de 2007 en 2009. Vu qu'il était encore trop jeune, pour manque de temps de jeu, il sera prêté en 2009 au Bayern Leverkusen. Il va faire une saison là-bas au Leverkusen. De 2009 à 2010, il sera à Leverkusen. Il va retourner au Bayern de Munich en 2010, où il va passer 4 saisons, 4 très belles saisons, de 2010 à 2014. Et de là, il va gagner énormément de choses avec le Bayern. Il va gagner la Coupe d'Allemagne, il va gagner. Cette époque-là, le Bayern avait ravagé tout en Allemagne, plus ou moins. Le Bayern gagnait tout. Après, en 2014, il va passer officiellement au Real Madrid. Après, le reste appartient à l'histoire, les amis. Le reste appartient à l'histoire. Avec le Real, Toni, c'est 5 Champions League. Frère, j'en parle, mais ça me fait. Ça me touche vraiment. Ça me touche parce que je me dis, il a tout, il avait tout, il a tout pour rester au meilleur niveau. Il a tout pour rester en Europe. Il a gagné. Voilà, faisons un peu aussi un petit tour sur tout ce qu'il a gagné comme trophée, en fait. Il a gagné une Coupe du Monde avec l'Allemagne. Il a gagné 5 fois la Champions League avec le Real Madrid. Il a gagné 6 fois le Mondial des clubs. Attention. Il a gagné 5 fois la Super Copa UEFA. Il a gagné 4 fois la Liga. Il a gagné 1 fois la Copa del Rey. Il a gagné la Super Copa d'Espagne 4 fois. Il a gagné la Bundesliga 3 fois. Il a gagné la Copa d'Allemagne, la Coupe d'Allemagne 3 fois. Il a gagné la Super Coupe d'Allemagne 2 fois. C'est juste incroyable, en fait. Joueur au parcours exceptionnel, et il n'a jamais eu d'embrouille, jamais eu d'embrouille, ce mec. C'est juste, j'arrive toujours pas à croire. Toni Kroos, le géomètre du football, le milieu de terrain, c'est-à-dire que les frappes plein lucarne, les centres, Toni Kroos. Non, frère, dites-moi que c'est pas vrai, dites-moi que c'est pas vrai. Là, je peux plus.